Salut, moi c'est Denis Scorpio. Lorsque je fais la vidéo ici la dernière fois, je ne sais pas quantième vidéo encore aujourd'hui, où je disais, c'était le mois passé, où je disais le meeting du MRC, je crois, le piège, non, je disais le piège de Bafoussam. Souvenez-vous, chers frères et sœurs camerounais, souvenez-vous, où, comme d'habitude, j'ai été victime d'une cabale de la horte qui pense que c'est comme ça qu'ils servent le parti et qu'ils servent le leader tant bien-aimé. On m'a traité de tout, de rien. Je rappelle, lorsque je parlais du piège, le piège de Bafoussam, on m'a traité de tout et de rien. Mais heureusement, hein, heureusement, c'est que vous ne savez pas, c'est que je suis... Moi, Danny Scorpio, je peux me targuer d'avoir le soutien, ou bien de, même si ce n'est pas un soutien, mais d'avoir quand même le respect des cadres du parti, de certains membres du directoire de ce parti, qui savent, eux, ils savent que Danny Scorpio est loin des conjectures et tout, et tout. Et ils prennent au sérieux ce que je ressors souvent comme débat et comme sujet. Ils prennent au sérieux parce que personne n'est parfait, contrairement à ce que vous pouvez croire et tout. Je disais le piège de Bafoussam. Voilà le préfet, le sous-préfet du Mungo qui interdit le meeting du MRC. Il faut appeler chaque bon. Parce qu'à l'époque, quand j'avais des meetings, on me dit non, tantôt il y a des gens qui disent meeting, d'autres qui disent que c'était l'installation des machins et tout, et tout, et que ça va continuer. Voilà le sous-préfet qui interdit le meeting ou l'installation des membres du parti en Consamba. Je vous avais prévenu ici, et dans tout le monde entier, hein, dans tout le monde entier, je vous avais prévenu ici quand j'avais dit le piège de Bafoussam. Et j'avais dit, attendez voir qu'on donne les autorisations dans les grandes métropoles. Donc, en s'approchant ici, Mungo, Douala, Yaoundé, je l'avais bien cité. Ce n'est pas encore, nous ne sommes pas dans la coupe, n'est pas encore pleine. Mais pour vous dire, mes chers frères et sœurs, parfois quand quelqu'un, c'est Dieu qui m'a donné, hein, c'est Dieu qui m'a donné ça. Ce don de pouvoir disséquer les choses avant le temps. Et les gens qui me suivent depuis plus de 2 ans savent que j'ai rarement raté mes analyses. J'ai rarement raté mes prévisions. Je l'avais dit. Ils ont réussi à parquer, à faire le meeting de ce parti dans un petit village, dans une église, une machine, truc, une chapelle, bref, dans un petit village. Et ils savaient pertinemment que l'Ouest est contrôlé par des gardiens du RDPC sans foi ni loi, qui organisaient parallèlement, d'ailleurs, qui organisaient parallèlement des petits mouvements. Donc, les Longuet-Longuet allaient dénigrer ce qu'il apparaissait comme d'habitude, comme celui qui supportait le changement. Lui-même avait dit que vous allez changer quoi? Les voilà. Alors maintenant, on vous dit, ah non? Il ne peut pas avoir de manifestation pour le parti dans le Mungo. Dans le Mungo, tout entier. Dans le Mungo. Maintenant, ayez l'amabilité de comprendre que ce n'est pas par fanatisme. Ce n'est pas parce qu'on gesticule beaucoup qu'on a raison. On m'a traité de celui qui venait traiter le parti de tribaliste et de machin truc. Alors que j'étais avant-gardiste en train de dire. Voilà ce qu'ils vont faire de ça demain. Voilà leur plan caché. Voilà leur plan caché. Le fait d'avoir dit leur plan caché s'est retourné contre moi pour certains volages. Oiseau de mauvaise augure, s'est retourné contre moi. Ah, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis que. Ah, c'est moi. Ah. J'avais proposé ici que si j'étais au directoire, une fois qu'on avait donné je vais dire quoi? Une fois qu'on avait donné l'autorisation pour l'Ouest,
On devrait profiter pour introduire toutes les autorisations une fois. Et dire que pour les mêmes occasions, on a donné cette autorisation. On demande les autorisations pour les mêmes occasions à Douamassette. On m'a dit non, 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 laisse. Et comme ils ont autorisé, s'ils n'autorisent pas, et là-bas, on va les prendre sur les mots. On va dire que pourquoi vous avez autorisé. Il faut les prendre sur les mots, donc, maintenant. Il faut partir comme le vent. Je me réjouis hein, d'avoir mon caractère d'anticonformiste. Je ne suis pas quelqu'un qui suit le vent. Je ne suis pas quelqu'un que parce qu'il y a 24 personnes qui disent oui, 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 oui. Je viens et dis oui, oui, oui. Non. Mon entourage, depuis mon enfance, il sait. Pour un anticonformiste né comme moi, on parlait de. Il est trop têtu. Voilà. Dans ma famille, on me qualifiait de grand enfant très têtu. Où je m'isolais même, d'ailleurs, parce que je ne partageais pas les avis des autres. Ce que je veux vous dire, faire comprendre, c'est que je vous rappelle tout simplement que voilà ce que je vous disais. Quand on demande, l'organisateur demande la première fois, on dit qu'il y a soirée de quoi du littoral, il y a journée quoi du littoral, il renvoie. Ils demandent une prochaine fois, on donne toujours les avis, même jusqu'au maire. Ils tous entrent dans la danse. C'est malheureux, c'est pathétique. Et quand je dis aux gens, quand je fais ce constat, ce n'est pas pour dénigrer les efforts qu'un parti fait ou pas. Ce n'est pas pour dénigrer. C'est juste pour démontrer que, mais en fait, ne restons pas là à tuer le temps alors que nous savons d'avance ce que ce système ne pourra jamais. Il y a une limite, il y a une ligne rouge. Alors chaque fois on vous fait croire qu'on avance, mais ils savent que non, ils tiennent le bâton. Je dis transcendons-nous, prenons le pas, allons devant, traversons ce que nous connaissons déjà, comment ça va se passer. Non, voilà ça. Et comme les gens avaient dit que je suis le oiseau de mauvaise augure, je voudrais que, je ne sais pas encore conclu, attendons tous ces autorisations-là. Pour les manifestations à grande vue. Et vous voyez, quand je le dis, les petits limités, ils voient seulement. Ah, il dit, il est content qu'on ne nous donne pas machin truc. C'est terrible. Dis donc. On mérite pour le bien.